Ces pleurs, aujourd'hui, nous les entendons dans la liturgie, dans l'Apocalypse de Saint Jean, où Jean pleure parce que le cœur de l'homme est trop dur et personne ne peut ouvrir le livre et en briser les sceaux. Le Christ pleure devant Jérusalem, la ville sainte, qui pourtant a le cœur trop dur pour reconnaître celui qui la visite. Dieu pleure devant la dureté du cœur de l'homme et devant son enfermement. Le Christ n'est pas insensible à notre cœur, et la dureté de nos cœurs peut faire pleurer Dieu, faire pleurer les saints, nous faire pleurer nous-mêmes. C'est un appel pour nous à suivre le chemin de l'agneau, celui qui est doux et humble de cœur, dont le cœur est tendre. L'agneau, c'est la figure de la tendresse et aussi du cœur tendre, doux et humble, qui n'est pas orgueilleux, qui n'est pas fermé, mais qui est ouvert, fragile et qui a besoin de... qui porte cette douceur. Voilà, demandons cette grâce pour nous de laisser notre cœur s'attendrir, qu'il ne soit pas dur et enfermé, mais ouvert et humble et doux, comme le cœur de l'agneau. Amen.